À la une des journaux, qu'un médecin français a découvert qu'un grand malheur menaçait le monde. Ce grand danger se nomme le sida. Mon ami docteur français m'a dit: fais attention, mon cher Hilarion, car il existe aujourd'hui sur la terre une maladie qui s'appelle sida. Au matin, je me suis levé, pas pour me rendre à mon travail, mais toujours vers un hôpital, me renseigner sur le sida. J'ai rencontré des belles infirmières qui bavardaient avec des infirmiers, accompagnant monsieur le docteur qui rendait visite à ses malades. Demandez pardon mon docteur, je m'excuse de vous déranger. Je veux savoir ce que c'est le sida, ce grand fléau dont on parle tant. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle. Maladie d'amour, maladie du sexe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle. Maladie d'amour, maladie du sang. J'ai crié, quel malheur pour l'humanité. Que va devenir le monde s'il faut mourir en faisant l'amour? Le docteur arrive, il m'a dit: tu es stupide mon cher, après tout tu dois mourir un jour comme un autre. Si vous buvez trop, il y aura l'abcès de foie. Si vous mangez trop, tant pis pour vous, c'est l'estomac. Il y a les avions, les voitures, il y a toujours la mort. Tu vas mourir un jour comme un autre. Aïe, aïe, aïe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle. Maladie d'amour, maladie du sexe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle. Maladie d'amour, maladie du sang. Il m'a dit: après tout, un jour on doit mourir par le cancer, la tuberculose, comme maladie de sommeil. Quant au sida, si vous faites l'amour n'importe quand et n'importe comment, sans tenir compte de l'hygiène, sida viendra. Aïe, aïe, aïe. Il m'a dit que le sida c'est le